Je n'avais amené personne ici depuis plus de 20 ans. Il y a toujours eu un écran actif pour Aya, mais on ne sait pas s'en servir. Voyons voir ce qu'on peut faire. Sam ? Je n'avais jamais vu cela. Est-ce similaire au caveau d'Eos ? Dites-moi ce que vous voyez. Je crois qu'il faut plutôt se demander ce qui est différent. Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Les caveaux forment un réseau, vous l'avez compris. En revanche... Ils ne sont pas reliés entre eux, mais à cet endroit. J'ai vu cette image sur une relique que l'Archonte m'a montrée. Il l'appelait Méridiane. Et on dirait que le caveau d'Aya est le seul qui y soit intégralement relié. Et qui terraforme la planète comme il est censé faire. Le caveau d'Eos est aussi présent, mais altéré. Notre intervention semble avoir affecté sa connexion. Qu'en pensez-vous, professeur ? Je crois que Méridiane est le centre de contrôle de tous les caveaux. Cette découverte pourrait bien tout changer. Si on atteint Méridiane, on arrivera peut-être à tout mettre en marche, à donner vie à Eleus. Attendez, Ryder. L'Archonte sait où elle se trouve. Il y est déjà allé. Quoi ? À Méridiane ? Bien sûr. Il m'a torturé dans l'espoir que je pourrais l'aider à s'en servir. C'est parce qu'il n'y arrive pas. Méridiane est la meilleure chance de survie de mon peuple. Il faut qu'on en prenne le contrôle. Je suis d'accord. Un tel pouvoir entre les mains d'un tel monstre, ce serait notre fin à tous. On est tous en danger tant qu'il poursuit ce but. Je vais y mettre un terme. Pour notre bien à tous. Vous aurez besoin de la relique que j'ai vue. La Résistance, c'est peut-être où se trouve le vaisseau de l'Archonte. Je vais parler à Ephra pour le convaincre de coopérer. Retrouvez-moi là-bas. Commerce ? Commerce. Commerce. C'est une question ou pas ? J'essaie juste de comprendre. Est-ce que vous échangez des biens et des services ? Comment fonctionne votre économie ? On paie les choses avec une monnaie appelée crédit. C'est de la richesse abstraite. Les Kert offraient des cadeaux. Ils concluaient des marchés bizarres. Ce n'était jamais du commerce. Ils valent quoi, vos crédits ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Vous les payez en échange de ce qu'on vend, nous. On entre enfin dans le vif du sujet. Vous proposez quoi ? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez ? Votre vaisseau. Il n'est pas à vendre. Qui ne tente rien à rien. Je peux faire autre chose pour vous ? Oui. Vous pouvez m'appeler Sokara. Je transporte des marchandises entre Aya et d'autres planètes. C'est un bon boulot et je suis doué pour ça. Vous êtes là pour aider mon peuple ? Prouvez-le. J'ai besoin d'aide. Je suis sans nouvelles d'un de mes fournisseurs étrangers. Il a des choses dont j'ai besoin. Ça pourrait sentir les ennuis. Qu'est-ce qui vous fait croire que je peux vous aider ? Vous avez trouvé Aya. Vous trouverez peut-être mon fournisseur. Ça ne coûte rien de demander. Je ne sais pas si on a la même définition des ennuis. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Accident naturel, prédateur sauvage, mésaventure. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? La même chose. Qu'est-ce que votre fournisseur transporte exactement ? De la marchandise dont j'ai besoin exactement. Des choses qui aident mon peuple à rester en vie, des denrées vitales. Vous avez un vaisseau, j'ai les coordonnées de mon fournisseur. Il s'appelle Keldo. Trouvez-le, lui et sa marchandise. Revenez et vous vous serez montré utile. Ensuite, on pourra commercer.
convient pas d'être. On vous a laissé passer les portes. C'est un honneur et j'en suis bien consciente. Je ferai preuve de respect. Oh, très bien. Tout le monde mérite une chance de faire ses preuves. Vezohan, j'étais là quand vous avez atterri. Je vous ai vu vous faire escorter en ville. Ça a dû être un drôle de spectacle pour vous. Une étrangère qui débarque de nulle part, il y a plus amusant. Je n'avais jamais vu ce genre de fruits. Qu'est-ce que c'est? Des paripots, sucrés, un peu épicés. Parfois, quand j'ai de la chance, j'ai aussi des quiloa ou des elmok. Les fruits sont rares ici? Sous cette forme, oui. C'est très cher. Si on m'achète un paripot, c'est qu'on a quelque chose à fêter. C'est un mets de luxe qui se partage avec les amis et la famille. Je file. Vos crédits ont autant de valeur que ceux des autres. Ne faites pas d'histoire et tout ira bien. Je serai sage comme une image, promis. Si vous le dites, ça me va. Je n'aurais jamais cru revoir la Moshae. Encore moins grâce à vous. Bienvenue au marché. Je suis le médiateur Renahav. Je fais respecter la bonne conduite entre les marchands et les clients. Et je résous les différends. Étant la première étrangère à entrer dans notre ville, vous ne connaissez pas nos lois. Il faut y remédier. Jetez un œil à ma marchandise. Vous ne repartirez pas. Qui décide de ce qui arrive à ceux qui enfreignent la loi? Tout dépend de la faute. Je règle les infractions mineures ici. Les plus graves nécessitent un tribunal. Là d'où je viens, la principale loi commerciale est pas d'escroquerie. Est-ce que c'est différent ici? Je soupçonne que notre définition de l'escroquerie est différente. L'injustice change selon le point de vue. Je ne veux pas créer de problème. Comment je peux apprendre vos lois? Je vous transmettrai un dossier complet. Familiarisez-vous avec son contenu. La responsabilité personnelle est l'un des piliers de notre société. Elle est exigée de tous. Compris. Allez voir mes collègues du bureau du gouverneur et du quartier général de la Résistance. Ils vous informeront sur notre culture et ce que cela implique de circuler librement parmi nous. Votre compréhension est absolument essentielle. Ce serait dommage d'enfreindre accidentellement nos lois. L'ambiance a vraiment changé depuis ce complexe Kert. La moitié des Angara nous sont reconnaissants, et l'autre moitié se méfie encore plus. Essayons de ne pas empirer les choses. Vous en faites pas pour moi. Apparemment, c'est plutôt Korra qui s'est attiré leur foudre. Moshae, ça nous a ouvert beaucoup de portes ici. Même si la plupart des Angara gardent toujours leur distance. Vous faites un peu peur à voir. Parlez pour vous. Quand j'ai vu mon premier humain, je me suis demandé comment vous pouviez garder votre sang avec une peau si fine. Contente que tu sois rentrée. Et en un seul morceau, cette fois. Je ne sais pas si c'était aussi la dernière fois, mais quand même en un seul morceau.
Bonjour, pionnière. Par les étoiles, c'est vous. J'espérais avoir l'occasion de vous parler. Vous avez quitté votre foyer pour traverser l'abîme. C'est vrai que vous ne pourrez jamais y retourner? Oui, notre foyer c'est ici, maintenant. Vous avez pris un énorme risque et abandonné votre ancienne vie. Pourquoi? Parce que je croyais aux valeurs de l'initiative. J'y crois encore. C'est noble de votre part. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire le même choix. À mon tour de vous poser une question. J'ai le droit de connaître votre nom? Oh, bien sûr. Je m'appelle Avela Kjar. Je suis la conservatrice des archives de l'histoire. On étudie les reliques de notre passé. On essaie de reconstituer l'histoire qu'on a perdue dans le fléau. Et, pour tout vous dire, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Pionnière, que savez-vous de notre histoire? Les Kertes vous ont fait beaucoup de mal, non? En effet. Mais bien avant ça, le fléau a détruit notre technologie. À commencer par nos vaisseaux. La plupart de ces vaisseaux se sont écrasés sur Avarl. Les étendues sauvages de cette planète sont remplies d'histoires. Un scientifique d'Avarl vient de me transmettre les coordonnées d'une épave intacte. C'est une occasion à ne pas manquer. Mais avec tous les reliquats qui patrouillent dans cette zone, on ne peut pas s'en approcher. Contrairement à vous. Donc, vous voulez que j'y aille? Je sais que je vous en demande beaucoup. Mais vous avez un vaisseau et les moyens de franchir la barrière des reliquats. Sans votre aide, je ne peux rien faire. Vous êtes prête à mettre votre histoire entre les mains d'une étrangère? Je sais ce que les gens disent sur vous, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense que vous êtes là pour nous aider. En effet. Et voilà l'occasion de nous le prouver. Vous voulez gagner le respect d'Aya, non? Récupérer notre passé est un excellent moyen d'y parvenir. Je ne crois pas qu'Ephra apprécierait beaucoup cet arrangement. Ephra n'a pas besoin de le savoir. Et s'il le découvre, il n'aura qu'à s'en prendre à moi. Il faut du cran pour lui tenir tête. Je suis prête à affronter pire que lui pour mettre la main sur un témoignage de notre histoire. J'ai toujours voulu m'essayer à l'archéologie. C'est ce que j'espérais entendre. Si vous trouvez quoi que ce soit, je serai là. Merci, pionnière. Ryder, ils font des recherches épatantes sur la relique Kert. Avela pense que c'est une ancienne divinité. Vous savez, plus je côtoie les Angara, plus je compatis à leur sort. Un ami. Surtout vu ce qu'on sait de l'exaltation. J'arrive pas à imaginer. Les Angara sont résistants. Savoir ce que font les Kert leur donnera un nouvel objectif. Je suis prête à leur apporter mon aide. On doit arranger les choses. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est vrai que vous êtes entré dans un caveau sur Eos? Absolument. J'en reviens pas. J'aurais bien aimé voir ça. Vous êtes une chasseuse de reliques comme Avela? À vrai dire, j'ai commencé comme technicienne. La Moshae avait fait appel à moi pour déchiffrer le code d'un vaisseau reliquat qu'elle avait trouvé. C'est ce qui m'a conduite aux archives de l'histoire, et depuis, je m'occupe du chiffrement des données. J'en déduis que vous travaillez ici? Nalon et moi, on est les assistants d'Avela. Il nous a fallu un temps d'adaptation. Pourquoi? Avela est bien plus jeune que son prédécesseur. Elle a beaucoup plus d'énergie. Je dois parfois lui rappeler de prendre des pauses. Elle est un peu trop passionnée. Je vous laisse travailler. Ah, c'est vous. Je vous ai vu atterrir. J'espère que vous ne m'appelez plus ça. Vous m'avez entendu. Excusez-moi, c'était une réaction ignorante. Quelle est votre fonction ici? Eline et moi, on aide Avela dans ses recherches. Je me spécialise dans la restauration. Donc, vous donnez un coup de jeune aux reliques? Autant que possible. Je ne fais pas de miracle, quoi qu'en dise Avela. Elle ne tarit pas d'éloges à notre sujet. Je n'avais jamais eu de supérieur comme ça avant. Je vous laisse à vos affaires.
contente de vous voir. J'aimerais bien me joindre à eux. Un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Pionnière, Ezra vous a donné l'autorisation d'acheter des armes, malgré mes objections. Je ne serais pas rassurée non plus si je devais vendre des armes à un alien. Je ne fais pas ça pour Ezra. Je respecte la Moshae. Sam, c'est sans danger ? Oui. Le léger bourdonnement dans vos oreilles est tout à fait normal. Très rassurant. Je suppose que vous êtes l'humaine dont tout le monde parle. Si vous avez besoin de soins, j'ai bien peur de ne pas connaître suffisamment la physiologie humaine pour vous être d'une grande aide. À moins que les lits ioniques puissent vous être bénéfiques. Si Jal est blessé en mission avec nous, notre médecin doit savoir comment le soigner. Est-ce que vous pouvez m'indiquer des ressources qu'elle pourra utiliser pour apprendre vos méthodes ? Je vois que vous envisagez toutes les possibilités. Jal est en bonne main. J'ai des revues médicales qui expliquent comment traiter les blessures des Angara et éviter les complications. Vous pouvez les envoyer au médecin de votre vaisseau pour qu'il les étudie. Ils ont quelque chose de spécial, Voli ? Ils sont remplis d'un gel ionique à charge négative. Le gel s'accorde à notre électricité naturelle pour accélérer la récupération. Vous pensez que ça peut marcher sur d'autres espèces ? Sans bioélectricité, les bénéfices seraient minimes, mais ça peut réduire la douleur. Donc, les Angara ont une charge électrique ? Notre corps produit des réserves d'électricité qu'on peut transformer en poussée d'énergie. On s'en sert pour la communication à courte portée, la guérison et même le combat. Je dois reconnaître que j'ai été surpris d'apprendre que votre espèce n'a pas cette capacité. Certains d'entre nous sont biotiques. Ça s'en rapproche, plus ou moins. Ça m'intéresserait d'étudier la biotique. Je vous laisse. Isharai. On m'a prévenu de votre arrivée. J'ai préparé un datapad sur nos lois concernant la guerre. Apprenez-les. Vous auriez dû me le dire. De quel droit m'avez-vous caché cela ? L'enquête était en cours. Je ne cherchais pas à vous manquer de respect. Jal le savait ? Bien sûr que non, ni l'humaine d'ailleurs. J'aurais pu garder Sam pour moi, vous savez. C'est différent, ça ne vous regarde pas. Maintenant si. Il faut trouver le vaisseau amiral Kert. Dites-lui la vérité sur mon enlèvement. Moshae, non ! C'est peut-être l'unique moyen de trouver l'Archonte. Un de mes hommes a aidé les Kert, un commandant de la Résistance nommé Venterev. L'Archonte convoitait les connaissances de la Moshae sur les reliquats, mais pourquoi Ven l'a trahi ? Je l'ignore. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Je travaille à sa capture pour qu'il réponde de ses actes. Vous savez où il est ? Port Kadara. Mes contacts sont à ses trousses. Vos contacts ? On ne peut faire confiance à personne là-bas. Ils nous ont désertés, nous et notre cause. Pour s'en remettre à des exilés de votre galaxie. Ven sait peut-être où trouver l'Archonte et son vaisseau. Nous ne pouvons pas compter sur une bande de renégats.
Je ne connais pas encore bien la galaxie. Où est Partiven au juste? Port Kadara est un avant-poste que nous avons abandonné quand les Kert ont débarqué. Certains y sont retournés. Des déserteurs et des charognards sans lien avec Aya. Comment les exilés du Nexus ont atterri là-bas? Par malchance pour tout le monde. J'ai besoin de la relique qui mène à Meridian. Laissez-moi faire, je sais gérer mon peuple. Ça ne me plaît pas. Peu importe, la pionnière a raison. Je vais vous transférer mon dossier sur Port Kadara. Le traître pourrait avoir des informations utiles. Il nous le faut vivant. Ça dépend de lui. Prudence, pionnière. Quant à vous, Ephra, je n'en ai pas terminé avec vous. Plus vite vous rejoindrez Port Kadara, plus vite vous trouverez Venterev. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tout ce qui peut m'aider à comprendre comment pense votre traître me sera utile. Il est têtu. Il remet toujours en question ses ordres. Je pensais que c'était son point fort. Je faisais erreur. Il devait avoir une bonne raison de me trahir. Qu'est-ce qui a pu le pousser à faire ça? C'est vraiment important. Bien sûr. Kadara est un repère de crapules, mais pas au point d'abriter un sympathisant Kert. On peut pas demander de l'aide? C'est ce que j'ai fait, et ça a marché. Sauf que mes contacts ne contrôlent plus rien. Ces individus-là sont plus têtus. Drôle d'ironie, vous ne trouvez pas? Même si j'arrivais à négocier quelque chose, Ven se montre très difficile à trouver. Moshae, est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit sur l'Archonte qui pourrait expliquer ses intentions? Il me parlait comme à une enfant. Non, pire, comme à un animal. Mais il était clair que Meridian faisait partie de ses plans. Il pensait que vous pourriez l'aider. Maintenant, il pense que c'est moi, la clé. Il a raison. Vous êtes peut-être la seule personne dans Eleus qui puisse l'aider. Est-ce que vous avez trouvé d'autres références à Meridian dans la technologie reliquate? C'est vous qui visitez les caveaux. À vous de nous le dire. J'ai rien remarqué, mais j'aurais très bien pu rater quelque chose d'évident. J'ai étudié tellement de reliques au cours de ces décennies, rien n'a jamais suggéré l'existence d'un tel endroit. On n'est peut-être pas censé le trouver. Qu'est-ce qui va se passer quand les habitants d'Aya apprendront qu'un membre de la Résistance a trahi leur Moshae? Cette trahison est sans précédent. Les gens vont sûrement perdre confiance en la Résistance. Pas si nous leur montrons que Ven a agi seul. Ça ne suffira peut-être pas. J'ai toujours confiance en vous, Ephra. Il en sera de même pour eux. Je ferai mieux d'y aller. Je vous recontacterai. Que les étoiles vous protègent, pionnière. Faites attention à vous. La Moshae insiste pour rencontrer le Conseil. Immédiatement. Pionnière, je m'appelle Enro Bozan. Je suis l'assistant du gouverneur. Vous devez vous douter que votre arrivée soulève des inquiétudes chez les habitants d'Aya. Il leur faudra du temps avant qu'ils soient prêts à refaire confiance à des étrangers. C'est pourquoi ils veulent que le Nexus les écoute. Nous avons installé des terminaux dans la ville pour que les habitants puissent laisser des messages aux gens du Nexus.
J'aimerais que vous y jetiez un œil et que vous transmettiez leur communication à votre peuple. Le médiateur Rena Ave m'a prévenu de votre arrivée. J'ai préparé un datapad qui détaille toutes nos lois. Lisez-le en entier. La première fois que je vous ai escorté en ville, je n'étais pas sûre d'avoir pris la bonne décision. Mais vous m'avez prouvé que j'avais tort de douter. Non, plus que ça. Rien ne vous obligeait à sauver les prisonniers de l'exaltation. Je me demande si vous vous rendez compte de ce que ça représente pour nous. On est tous ensemble dans cette épreuve. L'initiative veut vous aider. J'ai envie d'y croire. Vous êtes tellement différent des Kert. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'espère que vous pourrez m'aider à me faire apprécier des Fras. Si je savais faire ça, mon travail serait beaucoup plus facile. Parfois, on dirait que vous ne vous entendez pas bien tous les deux. Et d'autres fois... C'est un excellent tacticien. Et un chef qui suscite l'inspiration. Mais nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est le mieux pour notre peuple. Ils pensent que le secret et l'isolement nous maintiennent en sécurité. Et vous? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que nous ne pouvons pas vaincre les Kert seuls. Votre initiative non plus, d'ailleurs. J'ai quelques questions au sujet de votre culture. Je serais ravi d'y répondre. Ne le prenez pas mal, mais ce n'est pas votre seule ville, si? Pas du tout. On trouve plusieurs mégalopoles sur Vold et Avarl. Il y a également de nombreuses zones résidentielles similaires à celle-ci sur Aya. Est-ce que ces endroits sont ouverts aux visiteurs? Avec le temps, ça viendra peut-être. J'ai remarqué qu'Ephra, Jal et vous avez tous des accents différents. Quand le fléau nous a frappés pour la première fois, il y avait beaucoup de planètes Angara. Elles ont été séparées pendant des siècles. Nous avons développé des cultures et des dialectes différents. Ephra est né sur Vold, tandis que Jal vient d'Avarl. Et vous? Les Kert ont laissé ma planète d'origine en ruine. Les survivants ont été obligés de fuir. Nous avons trouvé refuge sur Aya. Ma famille a contribué à la colonisation de cette planète. Aya semble être importante pour les Angara. Aya est un paradis. Cette planète est un cadeau. Nous avons créé le Vesaal pour que tout le monde puisse profiter de cet endroit, ne serait-ce que pour une période limitée. Le Vesaal? Le temps du changement. Les ressources d'Aya sont trop limitées pour que notre population entière vive ici. On nous accorde à tous le privilège de vivre quelques années sur Aya. Quand notre tour est terminé, nous partons pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Le cycle se répète durant toute notre vie. Vous allez devoir partir, vous aussi? Oui, un jour. Pour le moment, Aya a besoin de moi. Votre peuple révère la Moshae. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir ce statut? Après le fléau, notre civilisation était dévastée. Ceux qui ont dirigé la reconstruction étaient des penseurs, des experts et des inventeurs. La Moshae est le plus grand esprit scientifique de notre génération. Elle nous a menés dans une nouvelle ère d'innovation technologique. Quand les Kert ont attaqué, elle a étudié leur technologie. Elle a appris leur tactique. C'est à elle que vous devez votre survie. Nous lui devons tout. Et nous ferons tout pour la protéger. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre par ici? Vous avez le Tavetahan, qui est un haut lieu de l'activité récréative. D'accord, mais vous, qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? La productivité est la meilleure forme de relaxation. C'est aussi un excellent facteur de stress. Je crois réentendre mes 10 frères. 10? Et 8 sœurs. Ils n'ont pas le droit de me déranger au travail. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la responsabilité de toute une planète? J'imagine que c'est comme être pionnière. Parfois, c'est un fardeau. La plupart du temps, je sais que je suis à ma place. Comment vous êtes devenu gouverneur? Est-ce que votre peuple vote pour choisir ses dirigeants?
Si par vote, vous entendez une dispute houleuse qui dure jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul candidat, oui, je suis arrivée ici parce que j'ai accepté de subir et de défendre les devoirs liés à ma fonction. Je perçois une certaine tension entre votre gouvernement et la résistance. Qui commande réellement ? Ephra aime donner des ordres, jusqu'à ce que le véritable travail qui consiste à diriger une ville commence. La résistance est efficace pour nous protéger des Kertes. Mais le peuple a besoin de plus que ça. J'ai appris à satisfaire le besoin de contrôle d'Ephra. Juste assez pour réussir à maintenir le mien. 10 frères et 8 sœurs. Vous avez vraiment une famille nombreuse. Je l'ai toujours considérée comme moyenne. Combien de frères et sœurs avez-vous ? Un frère, Scott. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres ? Nos parents n'ont eu que 2 enfants. Ils n'ont pas été très performants sur ce coup-là. Ça a l'air reposant. Quand toute ma famille se réunit, ça fait à peu près le même bruit que lorsqu'on se trouve à côté de notre plus grande cascade. Ma mère dit que je suis devenue gouverneur pour que les gens soient obligés de m'écouter. Est-ce que c'est vrai ? Oui, comme tout ce qu'elle dit. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de Port Kadara quand je suis arrivée ? Je pensais que vous étiez déjà au courant. Nous ne savions pas qu'il y avait une différence entre vos exilés et l'initiative. C'est compréhensible. Quant à Ven Terev, Ephra a caché sa trahison à tout le monde. Il devra s'en expliquer. Merci de votre attention. Isharai, pionnière. Je n'en vends pas, vous n'en avez pas besoin. Vous aurez un moment. Pionnière, c'est un immense honneur. Je dois vous faire part de mon admiration pour tous vos exploits. Traverser le néant entre les galaxies, se frayer un chemin à travers le fléau pour trouver Aya, incroyable. Les chances n'étaient pas en notre faveur, c'est certain. Et pourtant, nous voilà. Des inconnus issus de 2 galaxies différentes qui bavardent en toute amitié. C'est extraordinaire. Je m'appelle Mahari Kodarej. Je suis Voneran en chef. C'est un privilège de faire votre connaissance. Parlez-moi de vous. Je suis un peu un pionnier, moi aussi. Je suis un observateur céleste. Je relève les mouvements des étoiles, des planètes et du fléau. Un astronome. Vous connaissez les itinéraires les plus sûrs ? On déploie des satellites qui nous alertent sur les nouveaux dangers et les nouvelles opportunités. Mais on a perdu le contact avec plusieurs observateurs clés. Ils se sont arrêtés net. J'ai envoyé un vaisseau scanner leur dernière position connue, mais on n'a rien trouvé. Votre tempête est très sophistiquée.
J'espérais que vous pourriez nous aider dans nos recherches. Même les pionniers ont besoin d'une bonne carte. Je vais voir ce que je peux faire. Je savais que vous comprendriez. Je vous envoie les coordonnées de recherche. Et quand j'aurai mis à jour nos cartes avec les nouvelles données satellites, je me ferai un plaisir de les partager avec vous.